Bonjour, aujourd'hui on va parler de sécurité et santé au travail et de formation continue qui ont un caractère obligatoire au niveau de l'employeur, mais surtout en matière de sécurité pour l'employé, pour sa propre sécurité. Je suis chargé de sécurité au SPAA qui a pour objectif la prévention des accidents dans l'agriculture mais aussi domaine connexe avec objectif la formation et la formation continue des employés. Alors la formation, ici on prend l'exemple de la formation de bûcheronnage, est vraiment essentielle pour réduire les risques d'accident et apprendre des nouvelles techniques, méthodes, ne serait-ce que de revoir les méthodes d'affûtage de la chaîne, de la tronçonneuse, les mesures de sécurité à prendre lors de l'abattage d'un arbre, où là les risques sont vraiment extrêmement importants. Ça fait 2 ans que je suis chez Format Paysage maintenant. Et ce qui est cool, c'est qu'on fait énormément de formations tout au long de l'année, que ce soit l'arrimage, l'arnachage sur des échelles avec des harnais, les premiers secours, permis machiniste et puis aujourd'hui le bûcheronnage. On apprend énormément, ça nous met en sécurité et puis sur les techniques, l'expérience, c'est super cool. Format Paysage est une entreprise exemplaire. Étant donné qu'elle a investi énormément pour la sécurité de ses employés, la formation continue de ses employés, où ils ont su, à notre avis, développer une culture de sécurité au niveau de l'entreprise qui va de la direction, bien sûr, et des employés.